Donc bienvenue à cette masterclass. Donc France Nation, on va vous parler de France Nation Verte. Je ne sais pas si vous connaissez, mais on a travaillé sur le chantier numérique et données, notamment un certain nombre d'intervenants, puis moi-même. Et donc aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question: quels outils numériques mis en commun pour la planification écologique? On a choisi un format plutôt de table ronde pour vous présenter ce qu'on a fait sur chaque thématique et du chantier, et puis en ayant un fil conducteur qui est d'essayer de répondre à la question pourquoi, quoi, comment. Donc vous allez comprendre de quoi il s'agit. On va avoir dans un premier temps une introduction par Laura Letourneau, qui est donc elle a piloté en fait la feuille de route numérique et données au sein du secrétariat général à la planification écologique. Et Laura donc va nous faire une introduction pour expliquer bien le cadre de France Nation Verte par vidéo, parce qu'elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Et puis ensuite, on aura nos intervenants que je vais peut-être présenter après, une fois que Guillaume va être là. Donc je vais lancer la vidéo déjà pour que vous ayez bien le cadre de France Nation Verte. Donc la feuille de route numérique et données de France Nation Verte, elle sera publiée dans quelques semaines. Donc on ne va pas pouvoir tout vous dévoiler pendant cette masterclass, mais l'idée c'est un peu de donner un avant-goût et surtout de vous inviter à co-construire cette feuille de route et à la déployer avec nous dans la durée en tout. Donc si on reprend les choses dans l'ordre et qu'on commence par le pourquoi, en allant après sur le quoi et enfin sur le comment. Sur le pourquoi, l'aventure, elle démarre pas à la feuille de route numérique et données, elle démarre à la feuille de route métier de planification écologique qu'on appelle la feuille de route France Nation Verte, qui a été présentée par le président de la République en septembre. Cette feuille de route métier, elle vise à faire en sorte qu'on réussisse à tenir nos objectifs de décarbonation, mais aussi de préservation des ressources, de préservation de la biodiversité, de santé environnement, d'adaptation au changement climatique à horizon 2030. Et elle est articulée autour de 6 axes: mieux se déplacer, mieux se loger, mieux se nourrir, mieux préserver les écosystèmes, mieux consommer et mieux produire. Et la feuille de route numérique et données, en réalité, elle vient outiller cette feuille de route métier en marchant sur deux jambes. Ouais, on a écrit un manifeste qui vise à dire quel est l'objectif, pourquoi est-ce qu'on fait cette feuille de route numérique et données. La première jambe de ce manifeste, c'est de dire, en fait, presque malheureusement, hein, sans numérique, on n'arrivera pas tout simplement à mieux planifier les mobilités, à mieux déployer les énergies renouvelables, à mieux gérer les problèmes de sobriété sur l'eau, à mieux gérer le fait de donner des aides aux ménages ou aux entreprises les plus précaires, etc., etc., ou tout simplement sans numérique en sous-données, on n'aurait pas de rapport du GIEC. Donc en fait, le numérique est indispensable pour mettre en œuvre une transition écologique qui soit efficace et juste, radicale mais pas brutale, comme pour reprendre les mots du président de la République, et une transition écologique qui soit à la française, qui soit souveraine. Néanmoins, deuxième jambe, on sait que le numérique vient avec son lot de risques de technosolutionnisme, d'impact environnemental négatif sur la planète, de fractures numériques, de protection de la vie privée, d'intelligence artificielle qui pourrait ne pas être responsable, de fake news, etc. Et on veut avoir les avantages du numérique au service de l'écologie en minimisant au maximum ces risques, en développant un numérique éthique, humaniste, citoyen, qui permette vraiment de comme on dit, inaugurer le navire en minimisant les risques de naufrage. Voilà, on dit qu'inaugurer le navire, c'est forcément inaugurer le naufrage. Que néanmoins, on compte inaugurer le navire, parce qu'il y a des enjeux métiers qui sont trop importants pour ne pas inaugurer le navire, qu'on a besoin du numérique, mais que néanmoins, on va minimiser au maximum les risques de naufrage, et que c'est indispensable, parce que sinon, d'autres vont inaugurer le navire à notre place, et qu'on va finir par se faire ubériser, parce que la menace sur les sujets environnementaux est aussi réelle. Donc, ça, c'est sur la partie du pourquoi, en disant, on marche sur ces deux jambes, et c'est la partie la plus simple. Là où on commence à rentrer un peu dans le dur, c'est quand on va sur le sujet du quoi. Ok, c'est des objectifs auxquels on veut répondre, mais concrètement, comment est-ce qu'on va le faire? Là, la logique du quoi, elle s'ancre dans la logique d'État plateforme, ou plus précisément de plateforme publique qu'on avait mis en place dans la santé numérique, là, comme vous voyez sur la slide, et qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire, pour lutter contre le bazar et l'entropie ambiante, hein, qui existe sur la plupart des sujets de numérique public, soit santé, dans la santé, dans l'environnement, dans tout un tas d'autres politiques publiques,
Il faut organiser les parties prenantes en s'inspirant du mode de gouvernance d'une ville dans laquelle les pouvoirs publics ils font deux choses. Ils font les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme, etc. Mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage. Les routes, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité. En revanche, ils ne font pas toutes les maisons individuelles. Les maisons individuelles, elles sont faites par l'externe, par le privé, par les associations. Nous, puissance publique, notre travail, c'est de faire en sorte que ces maisons, elles respectent les règles, le code de l'urbanisme, et qu'elles se raccordent à des infrastructures communes. Et si c'est le cas, on délivre un permis de construire. Certes, on fait un HLM de temps en temps, quand il n'y a pas de business model que le privé ne s'en saisit pas, mais sinon, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces maisons respectent les règles et qu'elles se raccordent aux infrastructures. Dans la santé numérique, et de façon générale dans le numérique public, c'est la même chose. Dans la santé, par exemple, vous voyez les règles, c'est les référentiels socles dans les fondations profondes de la maison là, en santé que vous avez sous les yeux. Il y a des règles d'éthique qui visent à lutter contre tous les risques qu'on a vus précédemment, des règles de sécurité au milieu et des règles d'interopérabilité. Et ensuite, il y a des infrastructures qui sont des infrastructures non pas physiques, mais numériques, les fameux communs dont vous êtes en train de parler. Là, que vous voyez dans le plancher de la maison au niveau des services socles, avec tout un tas de communs numériques que je ne détaille pas ici. Et ensuite, l'équivalent des maisons de la ville, c'est des services numériques à valeur ajoutée métier, qu'ils soient pour les citoyens, je ne sais pas quoi, la téléconsultation, la prise de rendez-vous en ligne, votre monde connecté WeThings, c'est le mur de droite de la maison, vert, ou pour les professionnels de santé, tous les logiciels des hôpitaux, des pharmaciens, des kinés, c'est le mur jaune de la maison. Et nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces services numériques, ils respectent les règles, soient éthiques, sécurisés, interopérables, et qu'ils se raccordent à nos infrastructures, à nos communs numériques, à nos services socles, en lecture et en écriture. Et ensuite, ces services numériques, ils produisent des données qui doivent être exploitées à des fins secondaires, ou bien pour la recherche ou l'innovation, c'est le toit de la maison, le Health Data Hub, ou bien pour le pilotage des politiques publiques, par exemple tous les observatoires Covid qui permettaient de décider quelle région on allait confiner ou non. Et puis il y a des nuages, parce que pour que tout ça prenne et que l'articulation entre le public et le privé se fasse bien, il faut réguler avec des bâtons, c'est le nuage évaluation, des carottes, c'est les nuages innovation et financement, et puis du froid, des KPI, un suivi rigoureux, une maison, etc. Mais aussi du chaud, c'est toute la partie engagement avec le nuage en haut à droite. Ce qui est important, c'est que la plateforme d'État, c'est plutôt une plateforme publique en réalité, parce que les fondations de la maison qui constituent cette plateforme, parfois elles sont nationales, vous voyez France Connect, Pro Santé Connect par exemple, dans les fondations de la maison en orange, mais parfois elles sont internationales, typiquement on n'a pas mis le RGPD en vert, mais on aurait pu, voilà, au niveau européen, et parfois elles sont territoriales, vous voyez les outils de coordination en orange, là c'était des outils qui n'étaient pas les mêmes en Guyane, en Nouvelle-Aquitaine ou en Bretagne, voilà, il faut juste décider en gros, quelle brique, est-ce qu'elle est publique, est-ce qu'elle est privée, et quand elle est publique, quel niveau géographique elle appartient. Donc ça c'est la partie de gauche, la partie cartographie d'urbanisation, mais la cartographie c'est pas une fin en soi, elle est mise au service de cas d'usage, de cas pratiques, et c'est la partie de droite. Il faut traiter en mode collectif et commando. Si on va sur la slide d'après, pour bien expliquer comment tout ça s'entre-alimente et pourquoi est-ce qu'il faut faire des choses en même temps, vous voyez un cas d'usage en santé très simple qui était de dire « je veux que les documents en bleu sur le schéma, mon compte-rendu d'hospitalisation, mes radios, mon compte-rendu de biologie, me soient accessibles à moi, patient, via mon espace santé au centre du schéma, mais aussi à tous les professionnels de mon équipe de soins, mon kiné, mon hôpital, mon EHPAD si je suis une personne âgée. » Et bien pour faire ça, qui est un cas d'usage, colonne de droite tout à l'heure, il faut que toutes les fondations de la maison, notamment l'identité nationale de santé, que vous voyez en haut à droite, soient intégrées dans tous les logiciels de mon kiné, de mon pharmacien, de mon hôpital, de mon EHPAD, etc. Et donc en gros, si on veut que des cas d'usage de droite fonctionnent et passent à l'échelle et se massifient, comme on a tant besoin sur la transition écologique, il faut absolument que les fondations de la maison de gauche soient intégrées dans tous les logiciels des professionnels pertinents, sinon sans identité nationale de santé. Vous voyez, Sarah Lou Garcia m'a dit par exemple, elle ne s'est pas appelée pareil chez son kiné, chez son pharmacien, etc. Et donc on ne peut pas passer son dossier médical de façon interopérable entre les différentes personnes de son équipe de soins. Dans la santé numérique, il y a encore plein de boulot, plein de trucs qui dysfonctionnent, mais c'est vraiment sur des bons rails et c'est en train d'accélérer massivement, comme vous voyez, la courbe exponentielle là, d'alimentation de mon espace santé. Donc, c'est possible si on a une logique structurée, à la fois systémique, macro-cartographique et par cas d'usage très terrain, et que les deux s'entre-alimentent. On peut y arriver, on peut arriver à débloquer des serpents de mer qui existaient depuis des années. Dans la transition écologique, si on arrive à notre sujet sur la slide d'après, qu'est-ce qu'on a fait avec les 300 agents publics des administrations centrales, à la fois côté écologie, côté agriculture, côté intérieur, côté santé, côté Bercy, des opérateurs comme l'IGN,
comme l'ANA, comme l'AFP, comme tous les opérateurs de la transition écologique, les collectivités territoriales et les administrations déconcentrées, les DREAL, les DRAF, les SGAR, etc., qui ont contribué à ce chantier, c'est les 12 travaux d'Hercule, là, depuis quelques mois. En gros, on a essayé de faire les maisons de la transition écologique. Il n'y a pas qu'une maison parce que le chantier est très gros. Donc, vous voyez, on retrouve dans les colonnes des différents axes, se déplacer, se loger, se nourrir, préserver, consommer, produire, etc. Aujourd'hui, vous avez parlé de se loger, de se nourrir en bleu et en jaune. On a fait une maison alors qu'on est en train de maqueter. Hein. Là, vous voyez la vision technique, en gros. On a pris notre courage à deux mains, on s'est remonté les manches pour mettre à plat tout ce qu'on avait sur la table collectivement, identifier les doublons, identifier à l'inverse les briques clés qui manquaient, que ce soit des identifiants, des standards, des sujets d'éthique, des sujets d'infrastructure de partage de données, des communs numériques, etc. Et on a dit, comment est-ce qu'on priorise le travail sur chacune de ces briques en fonction des cas d'usage identifiés sur la colonne de droite. Vous voyez par exemple, outiller les citoyens pour que ce soit plus facile pour eux de faire leur transition écologique, même chose avec les territoires, utiliser des données numériques pour analyser et planifier les mobilités, par exemple les RER métropolitains, les pistes cyclables, etc., valoriser la qualité des sols, diminuer la consommation énergétique des logements, tous ces cas d'usage essentiels, hein, et encore il y en a très très peu hein, par rapport à la centaine de cas d'usage qui existent par thématique, on a dit c'est ça qu'on veut faire en priorité, et du coup ça a tiré les plans d'action qu'on a indiqués sur chacune des briques de la cartographie de droite. Donc, on publiera dans quelques semaines un plan d'action très concret, très pragmatique, avec pour chaque action porteur calendrier, priorisé en fonction des cas d'usage retenus, qui sera rendu public pour mettre de la lisibilité, pour qu'on se coordonne mieux en interne, je dirais au niveau national, mais aussi avec le niveau territorial et au niveau international, et qu'on se coordonne mieux aussi avec le secteur privé, qui a aussi un rôle à jouer dans la logique de plateforme publique. Donc voilà ce qu'on va publier, ça c'est sur la partie du quoi, et sur la partie du comment, c'est 95% du boulot, hein. Le comment, c'est pas tout de faire des maisons et de travailler sur des cas d'usage, il faut qu'on arrive à délivrer collectivement, et on sait que c'est là où on n'est pas toujours très bon, et que c'est le plus compliqué. Donc notre obsession, voilà, on peut pas vous en dire trop là à date, parce que tout ça est en cours d'arbitrage, mais ça va en gros s'inscrire dans la continuité de ce qu'on a fait pour élaborer cette feuille de route, c'est-à-dire déjà au niveau national, là on avait des groupes de travail qu'on appelait macro autour des maisons et micro autour des cas d'usage pour chaque thématique, et qui est coordonné par le secrétariat général à la planification écologique, et donc rattaché à la première ministre là, depuis le deuxième mandat du président de la République. Donc on va pérenniser ce mode projet, on va renforcer les effectifs, on va renforcer les budgets, parce qu'on a fait tout ça avec des bouts de ficelle hein, actuellement. Donc l'objectif maintenant c'est de travailler de façon plus sereine, de se professionnaliser pour vraiment arriver à massifier tout ça et aller plus vite en 3 ans qu'en 20, hein, parce que l'urgence écologique le demande. On va travailler une culture commune aussi très forte entre nous pour arriver à être bien plus efficace que précédemment. Ça, c'est au niveau national, mais c'est essentiel qu'on travaille bien avec le niveau territorial. Donc là, pour élaborer cette feuille de route, on a fait une expérimentation de 2 mois en Bretagne avec tous les acteurs du territoire qui ont en gros décliné à la fois les maisons et les cas d'usage sur leur territoire concret pour tester avec nous une méthode qui va être étendue à toutes les autres régions, parce que c'est un peu les poupées russes, hein, si vous voulez. On a cette cartographie au niveau national, mais elle se décline au niveau territorial, et à l'inverse, elle se dézoome au niveau international. Et au niveau international, de la même façon, on a fait un benchmark qui nous permettait de voir qu'est-ce qui se passait ailleurs, quoi, et où est-ce qu'on en était sur ces sujets. Et donc, on va continuer à travailler avec d'autres homologues et avec des organismes internationaux, parce que dans la transition écologique, encore plus que dans la santé, il y a plein de cas d'usage qui dépassent nos frontières. Quand on parle déforestation, quand on parle pollution plastique des océans, quand on parle biodiversité, on est obligé de travailler ensemble à cette plateforme publique, cette fois-ci internationale, avec un certain nombre de communs numériques, de standards, d'identifiants, parce que sinon, on ne peut juste pas arriver à résoudre ces cas d'usage. Donc, niveau national, niveau territorial, niveau international, ça c'est sur notre tambouille publique interne, entre guillemets, et puis essentiel aussi de travailler de façon concertée, permanente, avec les acteurs privés, que ce soit les acteurs du numérique ou les acteurs métiers. Donc là, pour élaborer cette feuille de route, on a concerté de façon informelle plein d'acteurs externes. Là, de la même façon, il s'agit maintenant de se professionnaliser pour qu'on arrive à co-construire ensemble dans la durée, de façon permanente et pérenne, tous ces chantiers qui vont se construire au fur et à mesure et surtout se déployer au fur et à mesure. Donc voilà, tout ça vous sera précis dans quelques semaines. Je tiens à remercier les participants de cette table ronde qui ont franchement moulé une maillot
pour arriver à sortir ce dont on va vous donner un aperçu là, pendant cette masterclass. On est super fiers de ce qu'on a réussi à sortir, mais c'est le tout début de l'aventure, hein. C'est le T0, c'est pas le TF, donc on compte vraiment sur vous pour plonger dans l'aventure avec nous. On n'y arrivera pas sans vous, à l'inverse, vous n'y arriverez pas sans nous. Voilà, il y a vraiment du besoin d'une mobilisation générale, côté public, au niveau national, territorial, international, et côté privé également. Et à l'inverse, vous pouvez compter sur nous pour co-construire avec vous dans la durée tout ça et faire en sorte que ce ne soit pas la feuille de route de l'État, mais que ce soit notre feuille de route numérique et données France Nation Verte au global. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà pour l'introduction. Donc je pense que ça a bien posé le cadre de France Nation Verte. Je vais appeler les intervenants. Donc en ligne, on a Mélanie Goffin Vernion, qui est donc sous-directrice innovation, conseil et appui aux politiques publiques à la DGALN, donc la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature, au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Il y a également Étienne Achille, vous pouvez venir là, il y a un micro à prendre, là, juste là. Haut fonctionnaire au numérique agricole au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et Maximilien Brossard, donc, qui est directeur général de la société URBS, qui est une entreprise innovante qui allie recherche et ingénierie, plutôt dans les politiques publiques de l'habitat et des politiques urbaines en général. Voilà, et donc Guillaume Mélier a eu un contretemps, mais il arrive dès qu'il peut. Donc la première partie est sur le pourquoi. Donc j'avais des questions à Mélanie notamment et à Étienne sur les problèmes de politique publique que vous avez cherché donc à résoudre dans votre thématique. Vous allez nous présenter les groupes de travail, le groupe de travail notamment sur lequel vous avez été très impliqué. Et pourquoi le chantier numérique et données de France Nation Verte est-il si important? Donc je laisse la parole à Mélanie dans un premier temps. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité pour cette table ronde. Alors, pour répondre effectivement à ta question du pourquoi, alors pour ma part, donc je travaille à la direction de l'aménagement du logement et de la nature. Je me suis plus particulièrement préoccupée du groupe de travail sur la thématique logement que j'ai eu le plaisir de copiloter avec certains de mes collègues. Alors, quand on parle du logement, donc c'est l'un des axes thématiques France Nation Verte dont Laura Letourneau a parlé dans son introduction. Donc, on est effectivement sur une politique publique majeure. Il faut savoir que le secteur du bâtiment en général, si on se réfère aux chiffres justement publiés par le SGPE, représente en 2021 18% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et on a un enjeu tout à fait considérable de réduire de plus de moitié entre 2022 et 2030 les émissions de gaz à effet de serre de ce secteur. D'où des politiques prioritaires comme la rénovation énergétique des logements, qui est extrêmement ambitieuse et qui nécessite donc un outillage numérique notamment pour ce faire. Donc ça a été un des fils rouges de nos travaux, comment optimiser donc le parc de logements d'un point de vue de la consommation énergétique. C'est un des cas d'usage qui a été fil rouge donc dans nos travaux. Et puis on pourra aussi voilà, parler plus à la marge des questions d'optimisation du parc existant, parce qu'il y a des besoins de construction, mais il y a aussi des logements vacants. Donc on a un ensemble d'outils que l'on essaye de déployer pour rendre plus efficace l'ensemble de ces politiques publiques. Voilà simplement très rapidement sur le pourquoi, et je pourrais développer sans doute un peu plus avant par la suite. Je laisse la parole aux autres participants. Étienne. Merci, bonjour. Alors pourquoi du côté de l'agriculture et de l'alimentation? Tout simplement parce que le secteur est le second émetteur de gaz à effet de serre. Donc le chantier est considérable. On part d'une situation qui est compliquée, puisqu'on est pris entre des exigences de souveraineté alimentaire qui ont pris un relief tout particulier, notamment après la pandémie. Et puis on le voit malheureusement dans un contexte de guerre aux portes de l'Europe, avec une variabilité des cours des matières premières qui est délirante et qui a l'impact que tout le monde connaît maintenant sur le ticket de caisse au supermarché. Et donc, quand on repart en arrière, parce que le ministère de l'Agriculture, c'est beaucoup le ministère de la production agricole, quand on repart en arrière, il n'y a pas que sur sur le ticket de caisse que l'inflation est tombée, elle est aussi tombée sur le coût des intrants pour les agriculteurs et l'ensemble de leurs frais de fonctionnement. Donc,
pour arriver à tracer la trajectoire de décarbonation, il est clair qu'il va falloir beaucoup mieux comprendre, beaucoup mieux connaître, beaucoup mieux mesurer et en plus grande quantité pour pouvoir mieux piloter. C'est le challenge évidemment de l'agriculteur qui, sur chaque parcelle qu'il cultive, doit lui-même pouvoir optimiser en réduisant ses intrants, puisque c'est un des objectifs majeurs en matière de décarbonation. Il doit être capable d'optimiser aussi par rapport au changement climatique, et je pense qu'il faut le dire d'emblée parce que c'est le cadre, évidemment c'est ce qu'on ne dit pas, mais l'agriculture est exposée de manière considérable au changement climatique. Je pense que quand on est à Bordeaux, on sait très bien que même la production viticole historique est concernée, et donc le producteur, il doit sans cesse optimiser en regardant ces données, en captant de plus en plus. Et puis derrière, dans la chaîne, on a l'industriel qui achète la matière première à l'agriculteur ou à une coopérative, et lui aussi, il va se retrouver dans le challenge de réduire le plus possible ses coûts pour quand même faire de la marge et pas la laisser entièrement à la grande distribution, et je viendrai à l'aval de la chaîne. Et bien évidemment, avec un certain nombre d'innovations qui sont en cours, notamment sur la traçabilité de la matière première que l'industriel va mettre en œuvre. Et donc, il va falloir qu'il mesure lui aussi beaucoup plus. Et le consommateur à l'arrivée, que nous sommes tous et toutes, le consommateur, il faut que lui, on l'embarque dans cette consommation plus responsable. Et pour ça, il faut l'informer. Et pour l'informer, il n'y a pas 36 solutions. Il faut qu'il ait de l'information venue de données qui sont captées dès le stade de la production, puisque aujourd'hui, de plus en plus, un certain nombre de produits comportent des QR codes qui permettent d'identifier assez clairement, voire très clairement, d'où vient la matière première qui a été mise en œuvre dans le produit. Donc beaucoup mieux connaître, beaucoup mieux comprendre, beaucoup mieux agir pour pouvoir contribuer à la réduction des gaz à effet de serre dans ce second secteur émetteur. Très bien, merci. Guillaume Hélier, donc je vais te présenter. Tu es directeur de l'appui aux politiques publiques à l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN. Est-ce que tu peux nous préciser le rôle de l'IGN dans France Nation Verte, parce que nous sommes donc un des opérateurs de l'État et on fait un gros travail en appui aux politiques publiques. Et à quel groupe de travail on a pu participer dans le cadre de France Nation Verte ? Bonjour à tous. Le constat de l'IGN et le rôle de l'IGN dans ce sujet, il part d'un constat qui est, on pense que l'information géographique est centrale dans cette histoire. Alors, l'IGN est un acteur de l'information géographique. Pourquoi l'information géographique est centrale ? Parce qu'elle permet des croisements. Les croisements, c'est à la fois rassembler les thématiques et rassembler les acteurs. Et rassembler les thématiques dans un contexte de transition multiple, notamment de transition écologique. On a besoin de plus en plus de croiser les thématiques pour comprendre et comprendre les influences croisées des thématiques et de travailler ensemble, de déciloter. Donc la donnée géographique, elle est, on pense, une importante pour baser les diagnostics, les analyses et puis les prévisions. Donc la participation de l'IGN à France Nation Verte, elle part de cette base-là. À partir de là, on a contribué à quasiment la totalité des groupes, puisque cette question d'information, en fait, elle est un peu une question de base, et que ce soit les thématiques du déplacement, du logement, de se nourrir, de préserver la biodiversité, la production, on trouve ces questions, et donc on a été amené à participer largement aux différents groupes. Ça rejoint aussi l'exercice de revue stratégique qu'a fait l'IGN il y a 2 ans, qui nous a amené à la conclusion de se dire, là où il y a quelques années, enfin, l'historique de l'IGN est plutôt un historique de description statique du territoire. Alors on fait une carte qui représente le territoire à un instant T. Ça prend du temps de faire une carte, donc on en faisait toutes les quelques dizaines d'années. Et on a un besoin aujourd'hui qui est beaucoup plus un besoin de description dynamique, de suivi d'évolution. On rentre dans une ère où l'impact de l'homme sur le territoire devient prégnant. Et donc un mouvement de l'Institut vers beaucoup plus une capacité à observer des évolutions en continu. Et derrière, pour permettre de suivre des mouvements, de faire le constat et d'anticiper la suite. Donc en termes de mise en œuvre ensuite du plan d'action, je pense qui répond au pourquoi. Je pense que l'information géographique est aussi une manière de répondre à 2 enjeux. L'un qui est de mobiliser l'écosystème autour de défis partagés.
et de déciloter l'action publique. On a besoin de croiser les thématiques, de construire ensemble dans une logique de commun. D'où, au-delà des aspects thématiques, deux axes que l'on porte. Un premier qui est d'être entremetteur de commun. À partir de l'information géographique, rassembler les acteurs intéressés autour de défis collectifs, déciloter les outils, les données et permettre de les industrialiser et de passer à l'échelle. On a un enjeu de passer d'analyse localisée de POC à produire de la donnée à l'échelle nationale de manière récurrente, qui pose des défis d'industrialisation, qui est un des savoir-faire de l'IGN. Et deuxième aspect, celui d'avoir des infrastructures et des outils mutualisés, de favoriser la dimension outil socle, qui soit commun pour éviter que chacun refasse dans son coin sa propre infrastructure ou ses propres outils pour mutualiser et être plus efficace. J'avais une question pour ensuite peut-être Étienne et Mélanie. Pourquoi en fait la nécessité vraiment d'avoir des outils numériques en commun, et est-ce que le cadre de France Nation Verte vous a aidé à travailler en interministériel par exemple entre les acteurs et fait émerger on parlera après plus du plan d'action dans le quoi, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui vous a aidé? Mélanie, tu... Alors, je peux commencer. Oui, merci pour la question. Effectivement, j'ai été rapide tout à l'heure sur le pourquoi, et je veux bien compléter sur la nécessité justement d'aller plus loin et en quoi France Nation Verte nous a permis d'accélérer. Ça a vraiment eu, je pense, un effet catalyseur, on peut dire, puisque les travaux étaient déjà engagés, les acteurs connectés, mais ce groupe de travail, ce loger, a été l'occasion de partager une vision commune, partant du constat qu'il y avait quand même un grand foisonnement d'outils numériques sur les questions de logement, des bases de données vraiment diverses mais pas toujours interconnectées, et on y reviendra tout à l'heure, mais l'un des gros besoins, c'est effectivement de mieux se faire mieux connecter, mieux faire parler ensemble ces différentes bases de données avec des identifiants, des référentiels communs. Donc ça a été un des axes de travail essentiels, et je pense qu'effectivement le groupe de travail a eu le mérite de rassembler. Alors on n'était pas totalement interministériel parce qu'on reste dans la sphère du pôle du ministère de la cohésion, de la transition écologique, la cohésion des territoires, mais entre différentes directions d'administration centrale, les opérateurs qui ont eu un rôle important à jouer avec nous, on a vraiment réussi, je pense, à faire émerger quelques axes clés, et c'est l'un des grands mérites de ces travaux. Moi aussi, j'étais un peu rapide sur le pourquoi en termes de groupe de travail. L'interministérialité, c'est simple, c'était en base, puisque le groupe de travail, les deux groupes de travail que j'ai co-animés avec une de mes collègues du ministère et le MDE, donc on était interministériel, ou au moins à deux ministères, pour copiloter le chantier, se nourrir. Et c'est pas du tout anodin. Pour faire un tout petit peu de sociologie des ministères, il va de soi que quand vous mettez d'un côté le ministère de l'Agriculture, qui, comme je le rappelais, le ministère de la Production, et en face le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Environnement, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des désaccords. Il y en a eu. Néanmoins, on a cherché à travailler précisément à les dépasser. C'est ce que dit Laura dans sa vidéo. C'est qu'à un moment, on ne contourne pas l'obstacle, on fait face, on cherche des solutions. Et surtout, on n'internalise pas excessivement la contrainte. Et ça fait bouger le système. Je vous donnerai, quand on va parler du quoi, quelques exemples. Ça fait bouger le système. Et on a travaillé avec l'IGN, bien sûr, avec l'ANSES, donc pour le volet santé, parce que nous, avec le volet alimentation, on a toujours un volet santé. Et puis, de plus en plus, on part de One Health. Donc, ça veut dire que santé humaine, santé animale, c'est lié, et on le voit bien sur les crises alimentaires, c'est toujours un lien entre santé animale et santé humaine. Merci. Maximilien, toi tu vas nous apporter ton regard. Donc est-ce que tu peux nous présenter rapidement URBS, les besoins auxquels vous cherchez vous à répondre, et quel est ton regard en fait sur France Nation Verte, et est-ce que ça représente une opportunité par exemple? Merci Marie-Agnès. Bonjour à tous. Donc oui, petite historique, effectivement, parce que URBS est une jeune structure qui a 4-5 ans, qui est issue de travaux de recherche à Mines Saint-Étienne. Donc c'est
une structure qui a la particularité d'être issue de la recherche publique et de l'enseignement supérieur, donc Institut Mines-Télécom, pour la petite histoire, sous tutelle du ministère du numérique, puisque historiquement c'était économie et des finances qui est devenue industrie, souveraineté industrielle et numérique. Notre expertise, c'est la science des données géographiques et le déploiement d'outils de service pour les territoires, pour les acteurs des territoires. On a aussi une expertise métier pour accompagner les territoires sur les sujets politiques publiques de l'habitat, politique publique autour de la rénovation. Ça, c'est important vraiment de faire le lien entre les deux métiers, c'est comment développer des méthodes en liant le savoir-faire numérique et les expertises métiers. Et donc le problème qu'on a adressé, bah, c'était évoqué, hein, c'est qu'on a eu une approche précurseur et innovante en 2015-2016 en tâchant de lever ce défi, de caractériser le parc bâti à travers l'ensemble de ses composantes à une échelle fiable et fine, à l'échelle élémentaire qui est celle du bâtiment, de l'adresse, et le faire à l'échelle nationale, avec des approches réplicables à l'échelle nationale. Avec cet enjeu important, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas d'outils à l'échelle de l'action. Il y a des outils de la décision à des échelles d'IRIS, de quartier, mais l'échelle de l'action n'existait pas. Et on a bien vu que la donnée était un réel catalyseur à l'action. Pour autant, il fallait organiser cette donnée, la collecter. La donnée du bâtiment était très éparse, ça a été rappelé par mes homologues en amont. La qualifier, l'organiser, et puis ensuite développer des outils pour qu'elle soit mise à disposition de l'ensemble des acteurs. Puisque bien sûr, dans la communauté d'acteurs, on n'a pas simplement des systèmes d'information ou des sigistes, on a aussi 80-90% qui sont des acteurs métiers, qui même s'ils connaissent la donnée, n'ont soit pas le temps de la manipuler, soit vont perdre 6 mois sur une étude opérationnelle à chercher où est cette donnée, alors que souvent en plus elle est dans le bureau d'à côté ou chez un partenaire. Donc l'enjeu était vraiment d'organiser et de s'inscrire dans ces réflexions aussi de commun. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu une approche simplement en tant que centre de recherche en cherchant des modèles innovants, des modèles mathématiquement fiables. On a fait ça dans un esprit de co-construction avec l'ensemble des acteurs des territoires. Vraiment une construction par les usages. Donc les usages autour notamment de l'enjeu de la rénovation énergétique, comment aider à la massification de la rénovation énergétique, pardon, en identifiant les paniers homogènes de rénovation. Et finalement, on est allé bien plus vite par rapport à la multiplicité des cas d'usage et la transversalité pardon, qu'on trouve autour de l'objet bâti, puisqu'il y a des problématiques foncières, il y a des problématiques, ça a été rappelé également par Mélanie, sur l'habitat indigne, sur la précarité, il y a aussi des problématiques patrimoniales, donc il y a aussi un lien fort avec l'urbanisme, le foncier, etc. Donc vraiment aussi avoir une base de données complète, multithématique, multisource, avec la capacité, ça c'est un point important, à la qualifier, l'actualiser, puisque l'enjeu c'est d'avoir des dispositifs aussi pérennes dans le temps. Je pourrais revenir dessus tout à l'heure, c'est aussi réfléchir à des nouveaux modèles économiques pour maintenir ces communs, ça c'est un point essentiel. Et donc voilà un petit peu l'historique du RBS. Donc aujourd'hui, pour voir nos travaux, on a dans cette réflexion des communs, la base de données nationale avec sa composante Open Data est disponible sur DataGouv. Donc c'est l'inventaire multi-objet du parc existant. Pourquoi multi-objet? Il y a une complexité aussi avec l'information géographique, c'est qu'il va falloir croiser à une échelle fine le bâtiment, l'adresse, le parcellaire. Pour le parcellaire, le foncier, l'adresse, on a des référentiels qui sont quand même de très bonne qualité, donc on a pu s'appuyer dessus. Il y a l'enjeu, on pourra revenir dessus, du bâtiment avec le groupe de travail sur BatID, donc c'est un référentiel qui se constitue et sur lequel on contribue également, qui va permettre à répondre aux problématiques de chacun des métiers qui n'a pas forcément la même approche, et pour autant il faut arriver à organiser cette chaîne de métiers hétérogène qui peut pour autant avoir une approche en se coordonnant, une approche englobante et systémique. On touche à la rénovation, on va toucher peut-être aussi des problématiques de santé, de précarité, d'attractivité du territoire avec peut-être des aménagements si on a identifié un potentiel homogène sur un quartier. Donc ça, c'est très important de ce relais d'information entre les acteurs. Et donc pour répondre à la dernière question sur le plan France Nation Verte, pour nous c'est important parce qu'on va arriver quelque part à légitimer cette démarche innovante qu'on avait eue en amont. Et puis un point important, c'est qu'on est issu de la recherche publique. Aujourd'hui, on est une structure privée parce qu'on a souhaité mettre, on sait que le numérique c'est un sujet complexe. On a souhaité être plus agile que lorsqu'on était dans le centre de recherche publique et ne pas être dépendant non plus des subventions qui parfois mettent des stops, des arrêts à des projets pourtant qui sont utiles et utilisés. Donc c'est aussi l'écho qu'on souhaite faire dans France Nation Verte et quelque part mobiliser la société civile pour l'action publique et l'intérêt général autour de ce dispositif-là. Merci. On va essayer d'illustrer justement maintenant les travaux en présentant les cas d'usage sur lesquels les intervenants ont travaillé notamment. Donc Mélanie et Étienne, est-ce que vous pourriez illustrer au travers de votre groupe de travail des exemples de cas d'usage en mettant en avant le problème que vous avez cherché à résoudre ? Et on va commencer par Mélanie.
Oui, merci. Alors, effectivement, un des cas d'usage centraux, je l'ai déjà dit, c'est la rénovation énergétique des bâtiments. Donc, l'un des besoins que l'on a, c'est de pouvoir identifier pour bien cibler les ménages qui pourraient, ça a été mentionné aussi par Maximilien, être dans une situation de précarité énergétique. On parle beaucoup des obligations de rénover les passoires, etc. Donc, on a vraiment besoin de croiser les données pour pouvoir identifier les publics cibles. Et partant de là, on s'est demandé quels sont les outils dont on a besoin pour ce faire. Et un gros travail a été fait pour travailler sur les référentiels, les identifiants. Donc Maximilien en a bien parlé, les bases adresses, elles existent. Il y a le référentiel national des bâtiments qui est en train d'être construit par une start-up qui s'appelle donc BatID, qui est en pleine construction, sur lesquelles on croit beaucoup aussi, puisque ce sera absolument essentiel comme maillon pour avoir une granularité au niveau du bâtiment et regrouper un ensemble d'informations, un petit peu sur le modèle qui a été développé par URBS. Et puis la granularité la plus fine, c'est celle du logement. Et pour identifier les logements, on a besoin de s'appuyer aussi sur un identifiant unique qui a priori l'identifiant fiscal des logements référentiels pilotés par la DGFiP. Donc on a beaucoup travaillé avec l'ensemble des acteurs impliqués sur ces référentiels, et ce sera un travail de longue haleine, pour progressivement généraliser, diffuser ces identifiants dans l'ensemble des bases de données. Et c'est une fois seulement que l'on aura justement la possibilité de croiser ces différentes bases de données grâce à des données pivots partagées, que l'on pourra pleinement exprimer toute la valeur des données. Parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple une base sur les diagnostics de performance énergétique, mais qui va difficilement pouvoir être liée aux travaux qui sont faits dans un bâtiment et aux aides qui vont pouvoir être versées par l'ANA, et encore moins avec la consommation énergétique finale du bâtiment. Donc on a vraiment un enjeu énorme qui est de réussir à faire se parler ces différentes bases de données en diffusant et en faisant remonter de manière également en prenant soin de protéger les données individuelles, mais de pouvoir mieux outiller nos politiques publiques en pilotant, en ciblant davantage nos politiques publiques pour pouvoir avoir les dispositifs les plus efficients possibles et avoir in fine un objectif de décarbonation qui puisse être tenu avec des politiques publiques efficaces. Donc voilà un exemple en tout cas autour de l'identifiant des bâtiments qui permettra des bâtiments et des logements, pardon, puisque les deux vont vraiment de pair et doivent être finement articulés, qui permettra de cibler d'outiller la rénovation énergétique des logements. Voilà un premier exemple que je pouvais vous citer. Ça a vraiment été le fil conducteur, en tout cas, de notre groupe de travail logement, même si toutes les questions numériques liées au logement ne sont pas uniquement dirigées vers la rénovation. Mais si on souhaite évidemment avoir en tête l'objectif de décarbonation, c'est quand même le levier principal, et c'est pour ça qu'on en a autant parlé. Merci. Et Étienne, sur se nourrir, est-ce que tu peux illustrer des cas d'usage ? Oui, et je pourrais presque paraphraser mot à mot ce que vient de dire Mélanie, parce que la brique de base pour commencer à travailler en remontant, en pouvant suivre ensuite toute la chaîne, c'est à nouveau une question d'identifiant, et dans l'agriculture, c'est la parcelle. Parce que sur la parcelle, on peut avoir des couches d'informations. Et l'hygiène voit très bien de quoi on parle quand on parle de couches de données. On peut avoir énormément de couches d'informations, et quand on regarde bien, chaque couche de données correspond à soit un dispositif d'aide, soit à une exigence réglementaire de contrôle, soit à un besoin de traçabilité dans toute la chaîne jusqu'au consommateur. Et donc, ça peut être aussi surprenant de se dire qu'on n'a toujours pas d'identifiant par logement, alors qu'on en a un qui est fiscal, et Mélanie essaie d'obtenir, je crois, l'ouverture des données ou l'entre-ouverture des données du côté de la DGFiP. Bah, nous, on s'est posé exactement la même question. Et on peut aussi être surpris qu'on n'ait pas d'identifiant parcellaire. En fait, il y a un identifiant, notamment par la politique agricole commune, qui couvre 90% de la production agricole française. Il y a un identifiant, mais qui n'est pas à la parcelle. C'est plus compliqué que ça. Il est à l'îlot cultural. Alors, un îlot cultural, c'est un dessin que fait l'agriculteur quand il déclare ses productions chaque année, ses productions au titre de la PAC. Il dessine le contour sur la base d'une carte
sur lequel il va dire, voilà, sur ce contour, je fais ça. Et malheureusement, pour nous, en tout cas, le contour de l'îlot, il peut contenir une parcelle, deux parcelles, cinq parcelles, un morceau d'une parcelle voisine qui cultive avec un collègue, parce qu'il y a une certaine continuité géographique sur l'exploitation et qu'on ne va pas couper la parcelle en deux. Et donc, il faut qu'on arrive à descendre plus bas que l'îlot. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a travaillé avec l'agence de services de paiement, qui est un organisme pas très connu en France, mais qui est celui qui paye quand même tous les ans les 9 milliards d'aides de la PAC à l'agriculture. Et donc, cet organisme, un système d'information dont vous imaginez la profondeur, puisque ça fait 20 ans qu'il paye les aides de la PAC, donc on imagine le stock de données accumulées. Et on a travaillé avec eux à faire, en fait, émerger de leurs données un identifiant parcellaire qui permet donc cette fois-ci à la parcelle de savoir ce qui se cultive sur telle parcelle, quelle année. Et il est évident qu'avec et les systèmes de géolocalisation et les systèmes d'imagerie satellite, on arrive à un niveau de précision qui est extrêmement fiable. Et alors cet identifiant, à quoi il va servir? Déjà, il va servir à l'agriculteur qui peut le générer lui-même quand il télécharge sa déclaration PAC. Une fois qu'elle est validée, il télécharge sa déclaration et là, l'agence de services et de paiement va lui générer son identifiant. Il peut le communiquer à sa coopérative pour que la coopérative puisse suivre ce qui se passe sur telle ou telle ou telle parcelle, et y compris pour des éléments d'études économiques ou statistiques ou agronomiques, etc. Il peut évidemment le communiquer ensuite un lot, par exemple, d'identifiants parcellaires à l'industriel qui lui achète les lots qui poussent sur ces parcelles. Et puis, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, on a besoin aussi, à la parcelle, de pouvoir savoir un certain nombre de choses. Par exemple, les rotations de culture qui sont devenues obligatoires dans la PAC, eh bien, pour pouvoir savoir sur une même parcelle quelles sont les cultures qui tournent d'une année sur l'autre, ça aussi, il faut qu'il y ait un identifiant parcellaire. Et on le voit, c'est extrêmement proche des préoccupations du côté MTE et logement, parce qu'on a besoin de cette brique de base, sans laquelle on ne va pas pouvoir mettre dessus toutes les couches de données qui peuvent être évidemment les traitements phytosanitaires qui sont apportés à la parcelle, les résidus de ces traitements sanitaires une fois qu'ils sont mesurés. Et là, on voit derrière tout le sujet de l'analyse des sols, et ça a été évoqué, j'y reviendrai. Et puis, on a évidemment des sujets de biodiversité, parce qu'on ne va pas pouvoir faire de transition agroécologique sans viser un objectif de restauration de la biodiversité dont on sait à quel niveau elle s'effondre. Et puis, last but not least, on sait très bien qu'on a un enjeu de séquestration carbone dans les terres agricoles, et que ça aussi, ça se mesure à la parcelle, et derrière, c'est même un outil qui peut commencer à contribuer à générer du revenu pour l'agriculteur. Donc une brique de base essentielle qui fait écho à ce que disait Mélanie. Merci. Guillaume, l'IGN a notamment participé à un groupe de travail un peu plus macro, transversal. Dans le travail de cartographie qui a été fait, qui a été présenté par Laura Letourneau là, avec les maisons, comment s'est passé le travail de mise en commun et est-ce que des besoins d'urbanisation sont ressortis? Tu voulais peut-être parler d'abord prolonger les exemples, je prendrai deux exemples. Déjà, ça a été dit dans les interventions précédentes, mais souligner le travail de mise autour de la table des différents acteurs publics, notamment ETA, qui a été fait et impulsé par le travail de Laura Letourneau, qui, je pense, est absolument indispensable et qui a été fécond. Deux exemples de ce que ça produit. L'un, qui est à cheval entre les thématiques se nourrir et préserver, la question des haies. Donc, quand on parle de haies, c'est à la fois les alignements d'arbustes, on va dire, mais ce qui peut aller, y compris jusqu'à des petits bosquets, la définition de la haie, c'est les sauvages co-regroupements d'arbres qui font moins de 20 mètres de large, donc, pour poser une définition. Avec des enjeux nombreux aujourd'hui autour des... les politiques successives ont plutôt conduit à ce qu'on ait une érosion du linéaire de haies au fil des années, avec des extensions, notamment des parcelles agricoles. Et aujourd'hui, des enjeux... il y a un enjeu à préserver ces haies, à la fois pour des questions de biodiversité, pour des questions de protection des sols, pour des enjeux de stockage carbone, voilà, et j'en passe. Et donc, il y a un objet qui sort de ces travaux, qui constitue à développer un observatoire des haies, en tout cas une structure et un programme de suivi qui permettent à la fois de renforcer et de solidifier, je dirais, la photo initiale, enfin, l'état des lieux. On ne connaît pas complètement bien aujourd'hui le linéaire de haies.
leur qualité justement, est-ce que c'est des petits arbustes ou des bosquets, et surtout en avoir un suivi dynamique. L'objet, le gouvernement a adopté le pacte de la haie récemment, dont l'objet est non seulement de stopper la baisse du linéaire de haie, mais au-delà de le réaugmenter, de rentrer dans une dynamique de croissance du linéaire de haie, et donc avec un enjeu de suivi dynamique. Et donc de mettre en place un programme qui combine différents vecteurs, à la fois des questions de détection automatique à partir d'images aériennes ou satellites, de mobilisation également. L'IGN réalise un programme d'acquisition du territoire en 3D, le programme LIDAR, France entière, utilise ce type de données pour mieux caractériser les végétaux qui les composent, et en même temps avoir des travaux, consolider les données qui peuvent revenir de relevés terrain. Voilà un certain nombre d'acteurs qui vont faire des relevés terrain, des audits, des diagnostics sur les haies, et donc consolider ce type d'action. Voilà un premier exemple d'objet qui en sort. Deuxième, plus purement sur la logique de préservation de la biodiversité, un enjeu de mise en place d'un géoportail de l'environnement. L'idée, c'est de rassembler en un endroit unique tous les différents zonages de protection de l'environnement et de protection de la biodiversité. Un exemple, aujourd'hui, si vous voulez faire quelque chose dans une forêt, entretenir des arbres, couper des arbres, puis il y a jusqu'à une cinquantaine de réglementations différentes qui s'appliquent. Et donc pour savoir à un endroit donné qu'est-ce qui s'applique, qu'est-ce qui ne s'applique pas, aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Et ça conduit quelque part à ce que ces réglementations soient sous-appliquées. Et donc un consensus entre les acteurs publics sur l'utilité très forte à rassembler tout ça en un endroit unique, avoir un endroit simple où on puisse consulter les différents zonages qui s'appliquent. Voilà, le terme géoportail de l'environnement est inspiré du géoportail de l'urbanisme. Ça a déjà été fait sur l'urbanisme, droit qui consolide toutes les règles. Et d'avoir à la fois un portail qui permet de le consulter, où j'ai mes cartes, je regarde, et aussi en dessous une infrastructure, notamment des API, qui permettent d'exploiter ça de manière automatique pour le brancher avec d'autres services qui viennent exploiter cette donnée qualifiée et consolidée. Sur les questions de plus d'infrastructures, de coordination, ouais. D'urbanisation, et notamment pour faire la cartographie. On voit, et c'est un peu tracé, notamment l'exemple que je prenais justement sur le géoportail de l'environnement, il ressort deux enjeux forts, je pense. Un qui est plus sur les données, justement organiser les données, les mettre ensemble, ce qui veut dire se mettre d'accord sur comment les assembler, qui est une première brique, mais surtout créer les dynamiques collectives pour les rassembler. Voilà, il y a un certain nombre, je ne vais pas les détailler là, mais d'initiatives qui ont été listées, plutôt thématiques, parce que c'est un travail thématique par thématique, objet par objet. Enfin, les exemples pris avant sur l'identifiant de la parcelle ou l'identifiant de bâtiments, pour moi, sont des archétypes de ça. On est vraiment sur la brique de base, l'identifiant, mais en même temps, quand on ne l'a pas, on est mal, on va dire. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Donc cette couche donnée, et puis en sous-jacent, une couche plus infrastructure. Voilà, le numérique, ça nécessite de l'infrastructure. Et je pense qu'on a un enjeu, à minima niveau État, mais aussi avec les collectivités, davantage mutualiser et rationaliser pour additionner les efforts et éviter de disperser. Développer des logiques d'infrastructure mutualisées où les efforts d'enrichissement, de fonctionnalités, d'entretien se cumulent. Non seulement pour cette dimension d'avoir des objets plus riches, mais aussi parce que derrière, rassembler les données, ça favorise fortement la capacité à les croiser, à faire des choses avec. Toujours plus compliqué quand elles sont éclatées. L'infrastructure a aussi un effet d'organisation quand on rassemble les choses. Merci. Mélanie, Étienne, est-ce que, donc, comme on a dit, dans France Nation Verte, il va y avoir la publication d'une feuille de route avec un plan d'action. Les exemples qui sont cités ne sont pas encore validés, mais ils le seront prochainement peut-être. En tout cas, est-ce que vous pourriez nous illustrer peut-être vos cas d'usage, les cas d'usage plus sur la partie solution? Est-ce qu'il y a des outils en commun qui sont sortis entre vos discussions, entre les acteurs internes, externes? Parce qu'il y a aussi toute une phase de concertation avec des acteurs externes. Est-ce que vous pouvez illustrer par un ou deux outils numériques vos travaux? Alors, je vais bien me relancer, effectivement. Je vais peut-être un petit peu me répéter, mais élargir aussi le propos. Peut-être citer trois types d'actions. La première, c'est ces fameux référentiels. On en a parlé à la maille du bâtiment, à la maille du logement.
Donc ça a vraiment été l'occasion d'accélérer les travaux qui étaient engagés de longue date avec la DGFiP. Donc on attend que ça puisse être inscrit aussi dans leur plan de charge, hein, mais on a d'ores et déjà la possibilité, a priori, au premier semestre 2024, d'accéder à des API qui permettront des échanges automatisés d'informations sur la base voilà, d'une granulométrie au niveau du local, donc que ce soit un logement ou un bâtiment tertiaire d'ailleurs. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et on travaille activement pour que soient bien articulés entre eux les différentes mailles du référentiel, avec un logement qui va être rattaché à un bâtiment, lui-même rattaché à une adresse. Évidemment, dans l'autre sens, ça ne marche pas puisque la granulométrie est plus fine. Mais il y a vraiment cet aspect référentiel qui est l'axe fondamental. On en a beaucoup parlé, la brique unitaire à partir de laquelle on peut ensuite valoriser et exploiter les données. Ça, c'est le premier élément sur lequel je pense qu'on a parcouru quand même un petit peu de chemin. Un deuxième élément, dans les référentiels dont on a besoin, il y en a un qui n'existe pas aujourd'hui ou qui peut exister par bride, mais qui n'a pas de standard officiel et que l'État se propose d'investiguer, c'est de constituer en fait un référentiel numérique des travaux. Parce que un des irritants majeurs dans un parcours de rénovation, certains d'entre vous ont peut-être été confrontés à cette difficulté, c'est que bon, bah, vous avez un audit énergétique, ou en tout cas des préconisations de réaliser des travaux, vous avez un artisan qui vient chez vous, qui dresse un devis, qui le rédige à sa façon, ça peut être assez variable d'un artisan à l'autre, et puis ensuite vous devez présenter un dossier de demande de subvention à l'ANA qui va vous demander de rentrer dans certaines cases, etc. Et ça peut parfois être un petit peu long et plein de semer d'embûches pour faire coïncider la description des travaux de l'artisan avec les gestes métiers subventionnables en fonction de leur efficacité, etc. Donc on a vraiment identifié le besoin d'un référentiel des travaux qui soit partagé avec l'ensemble des acteurs de la chaîne, et c'est un projet que l'on a de justement déployer ce référentiel. Alors, on en est tout juste au début. L'ensemble des acteurs qui ont travaillé dans les groupes de travail s'accordent évidemment sur la nécessité d'un tel référentiel qui pourrait idéalement être utilisé nativement par l'ensemble des acteurs de la filière. Donc ça demande aussi concertation avec les gens du métier qui réalisent les travaux, les éditeurs de logiciels à partir desquels sont édités les devis, etc. Donc en tout cas, c'est une brique aussi essentielle qui est ressortie de ce groupe de travail. Et puis pour citer une troisième action, alors c'est un projet qui est d'ores et déjà engagé, mais qui rentre pleinement, je pense, dans la thématique de cet échange et que connaît très bien l'IGN puisqu'il est chargé de sa mise en œuvre, c'est le projet d'occupation des sols à grande échelle. Alors quel est le lien avec le logement, vous me direz, puisque ça constitue à cartographier l'ensemble du territoire français et à mesurer à la fois la couverture et l'usage des sols sur la base des photos aériennes qui sont prises par l'IGN avec des algorithmes qui ont recours à l'intelligence artificielle. C'est un outil qui est ambitieux puisqu'il a vocation à couvrir l'ensemble du territoire français de manière assez fine d'ici 2025. Les premiers départements ont déjà été produits et il est utile à la fois pour mesurer l'artificialisation des sols, donc il y a une bonne façon avec les objectifs ambitieux fixés aussi par le gouvernement de mettre en œuvre la sobriété foncière qui s'impose si on veut préserver aussi des espaces pour produire à vocation agricole, des espaces aussi refuges de biodiversité, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est à cheval avec les groupes préserver les ressources, avec aussi la question du logement, puisque bien évidemment le logement est le premier facteur de consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc on s'est désormais engagé quand même dans une dynamique plus ambitieuse de recyclage du foncier actuel, de réhabilitation plutôt que de toujours construire sur des zones naturelles. Et donc cet outil d'occupation des sols à grande échelle, encore une fois mise en œuvre en partenariat avec l'IGN qui produit ces données, est un bon exercice de constitution d'un véritable commun numérique qui me permet d'une part d'être le thermomètre officiel
modèle de mesure de l'artificialisation pour mesurer de manière équitable sur l'ensemble du territoire les flux d'artificialisation des sols, et qui est aussi une couche de base sur laquelle on peut imaginer croiser de très nombreuses autres couches de données pour de nombreuses autres applications. Donc c'est vraiment un élément, je pense, structurant de notre commun numérique qui est en train de voir le jour, qui sera évidemment actualisé régulièrement. Mais voilà, je voulais le mentionner parce que je pense que c'est un bon exercice, une bonne illustration d'outils numériques en commun, de production de données massives, qui sera évidemment mis en open data et qui pourra outiller un grand nombre de nos politiques publiques. Peut-être, avant de passer à Étienne et se nourrir, Maximilien, est-ce que tu veux réagir? Et notamment, est-ce que ça fait écho à des solutions, ces cas d'usage que vous proposez? Et comment est-ce que tu t'interfaces dans tout ça? Ça fait absolument écho. Et puis, il y a des bonnes nouvelles dans tout ça aussi. C'est que même s'il y a des référentiels encore à consolider, il y a déjà des choses qui existent et qui sont validées par le terrain, par de nombreux territoires. Nous, notamment, depuis 5-6 ans, on travaille avec plus de 700 territoires. On a validé des croisements de données en contexte opérationnel, avec des acteurs métiers, au contact des habitants qui sont sur le terrain. Effectivement, l'identifiant du bâtiment, notamment, va permettre de consolider, d'aller encore plus loin. Mais dans beaucoup d'exemples, avec la donnée fiscale notamment de la DGFiP, on a déjà quand même un premier niveau d'identifiant des lots, des locaux, des adresses, donc on part pas de zéro. Ça, c'est quand même un point important, ce qui n'empêche pas effectivement qu'on devra en tout cas avoir ce référentiel justement pour avoir moins de pertes en ligne quand on croise certaines bases de données, certaines sources de données. Un point important au-delà des référentiels, j'insiste sur un point, c'est inviter aussi tous les producteurs de données à qualifier autant que possible, à documenter autant que possible leurs données. Je prends un exemple, on croise plus d'une centaine de bases de données. L'une des rares qui est très bien documentée, c'est un acteur avec qui on travaille beaucoup, c'est celle du CEREMA, les fichiers fonciers issus justement de la DGFiP. Peu d'acteurs vont ajouter des indices de confiance, des millésimes de données, parce que aussi dans une base de données, même si elle est produite en telle année, chaque attribut ne sera pas forcément mis à jour. C'est l'exemple des fichiers fonciers d'ailleurs, où on sait que certains attributs ne sont plus actualisés depuis la vente d'un lot. Donc il y a toute cette complexité qu'il faut prendre en compte. Donc pour la tracer, il faut que le fournisseur de données nous donne ses exemples. Quand on croise les données, il faut aussi donner cette connaissance, donc notamment via des outils, de manière pédagogique et on va dire facile d'accès aux utilisateurs, qui ne vont pas forcément tous se farcir 200 pages de documentation. C'est l'intérêt aussi de parcours utilisateur via des outils co-construits avec les acteurs et cette pluralité d'acteurs. Donc, on évoquait la question des passoires thermiques. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a commencé nos travaux, les DPE, la base ADEME n'existait pas. On a commencé à travailler avec les DPE que nous fournissaient les agences locales et généreuses du climat. L'ADEME a structuré ça à l'échelle nationale. On a travaillé avec eux aussi pour qualifier un petit peu les adressages. Il y avait encore de la perte en ligne. On est allé un peu plus loin avec les acteurs des territoires parce que parfois les acteurs des territoires, ça permet aussi de rajouter une information par rapport à la source nationale. L'enjeu aujourd'hui, c'est la source locale, c'est de valoriser aussi le travail de chacun sur le terrain, les services des collectivités, les agences locales qui, quel que soit leur métier, qui ont une valeur incroyable, mais souvent qu'on ne capitalise pas. Donc c'est aussi travailler des modèles de connaissances. On va aller jusqu'à des graphes de connaissances pour ceux qui travaillent sur ces sujets, pour être capable de consommer ces données locales. Et après, on ira plus loin sur la contribution aussi des utilisateurs via les outils pour renforcer, consolider ces données. Ce qui est assez intéressant, donc sur l'un des cas d'usage qu'on a produit, donc on a d'abord travaillé avec les acteurs des territoires, donc plutôt sur les politiques publiques de l'habitat, avec des outils dédiés à ces acteurs et notamment avec des données conventionnées, donc simplement dans le cadre de politiques publiques, ce qui a permis d'avoir un modèle de données et des outils qui répondent à ces sujets-là. Sur cette base-là, solide et du coup notamment fiabilisée par les acteurs, je reprends l'exemple du DPE, beaucoup de bâtiments n'ont pas de diagnostic de performance énergétique. Et là aussi, on a lancé un programme de recherche pour réestimer la performance thermique d'un bâtiment. Réestimer cette donnée au-delà d'articles de recherche validés par les pairs, au-delà de modèles mathématiques qui donnent des bons résultats, ce qui valide la pertinence, c'est le terrain. Et donc il faut de l'usage. Il faut diffuser en masse, et ça fait l'écho avec les référentiels, il faut diffuser en masse ces référentiels, ces données, pour les valider par les usages et par cette communauté d'utilisateurs. Et ça amène du coup à un des outils qu'on a mis à disposition des communs, qui est l'Observatoire national des bâtiments. URBES, on s'est engagé sur le fait que toute donnée en open data devait être rendue publique et mise à disposition de tous via des communs.
Donc en capitalisant sur ces travaux avec les acteurs publics, on a un observatoire national des bâtiments qui va ensuite s'adresser à la société civile, étudiants, chercheurs, professionnels de l'immobilier, simples citoyens, pour aussi donner de la transparence, hein, c'est le sujet je pense de cet événement aussi, sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces acteurs veulent aussi contribuer, un peu sur le modèle d'OpenStreetMap. Donc même sur des sujets complexes, même si on est sur un sujet par exemple de propriété privée, donc c'est pas c'est un peu plus complexe que peut-être que sur l'OpenStreetMap, sur l'espace public, on a quand même la volonté d'acteurs, que ce soit des professionnels comme des citoyens, de contribuer à consolider des bases de données qui parfois sont peu mises à jour, sont peu fiables. Donc ça c'est super intéressant. La société civile vient en support et donc c'est aussi un des engagements du RBS par rapport au dispositif FNV. Pour terminer, quelques cas d'usage quand même métier. On parlait du DPE, il y a le décret d'essence, donc de toute façon, et c'est aussi pour ça que nous, on a souhaité compléter les données pour que les acteurs des territoires, décideurs comme opérationnels, aient cette connaissance complète, même si derrière, parfois, on n'aura pas 100% de vérité, mais ça permet d'engager une action, de prioriser l'action, et on l'a vérifié avec les acteurs 9 fois sur 10, on est juste globalement quand on cherche des potentiels, et puis après, les acteurs peuvent accompagner. On a parlé du sujet ANA, c'est assez intéressant aussi, sur les territoires, les dispositifs ANA, même si derrière, c'est régi par des règles, chaque acteur fait un petit peu à sa sauce. Donc après, il faut standardiser ces données pour avoir les niveaux de rénovation, les demandes de rénovation sur les paniers travaux. Donc on fait ce travail aussi pour avoir des indicateurs communs à l'échelle nationale et notamment l'ANA est intéressée pour qu'on fasse remonter ça dans leur base de données. Donc tout ça pour dire que ça se structure avec des cas opérationnels concrets sur l'habitat indigne, la précarité, avec des acteurs terrain, des acteurs métiers. Et le dernier point, comme on a parlé des référentiels, ça c'est un point important, c'est vraiment cette logique de... Nous on a une logique de construire par le bas, par les territoires, avec les acteurs. Par contre, ça n'empêche pas que ces données doivent remonter dans les référentiels, consolider les référentiels dont on a parlé, pour qu'avec cet enjeu de mise à jour des données, on puisse effectivement s'appuyer sur cette consolidation et pas rajouter des référentiels, des doublons de référentiels, ça c'est un vrai sujet, qu'on ait tous un indicateur commun. Et point final pour terminer sur les cas d'usage, c'est l'enjeu de sobriété numérique, hein, pas rajouter un problème là où on essaye d'en solutionner un. C'est pour ça que travailler par les usages, c'est indispensable pour ne pas empiler tout un tas de données qui ne seraient pas, ça a été dit et redit sur cet événement, hein, utilisables, utilisées. Ça, c'est vraiment le fil rouge qu'il faut tous qu'on se donne. Donc, notamment en travaillant tout de suite avec les acteurs des territoires, ou en tout cas les acteurs métiers qui sont ciblés sur les référentiels que l'on construit collectivement. Étienne, est-ce que tu veux rebondir pour conclure cette partie sur se nourrir en illustrant aussi par soit en écho à ce que vient de dire Maximilien, soit en illustrant avec des outils numériques que vous avez mis en œuvre. Enfin, oui, c'est très facile de rebondir à la fois sur ce qu'a dit Mélanie et ce que tu viens de dire parce que nous, on a choisi d'en se nourrir comme cas d'usage la qualité des sols. Pourquoi ? Parce que de la même manière que la brique de base nous est apparue être la parcelle, à un moment, si on est cohérent, la parcelle, il ne faut pas se contenter de voir son découpage géographique depuis un satellite. Il faut aussi savoir ce qui se passe à l'intérieur de la parcelle et donc en sous-sol. Et c'est un sujet qu'on voit monter, puisque j'en veux pour preuve la proposition de la Commission européenne de juillet dernier sur la qualité des sols, justement, qui devient un enjeu crucial, parce qu'on sait très bien qu'il y a entre 60 et 70% des sols de l'Union européenne qui sont dégradés à très dégradés, et qu'on ne fera pas la transition agroécologique sur des sols dégradés ou très dégradés. Donc, là encore, même logique, on mesure, on connaît mieux, et donc on peut mieux décider et mieux agir. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur ce cas d'usage, qui a été construit par l'INRAE qui pilote le groupement d'intérêt scientifique SOL depuis maintenant 2 décennies, c'est de se dire, et ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire, ces données-là, puisque c'est un groupement d'intérêt scientifique, elles sont essentiellement à des finalités de recherche. Elles n'ont pas une configuration permettant de les mettre à disposition en tant que commun d'un public beaucoup plus large, que ça soit de l'innovation dans les start-up, que ça soit dans les collectivités locales. Et quand on voit l'enjeu du sujet zéro artificialisation nette, je pense qu'on commence à bien mesurer la nécessité d'avoir des données sol aussi précises et fréquentes que possible. Et donc ce cas d'usage est destiné à partir d'une situation qui est pas formidable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un agriculteur ou une agricultrice, quand il cherche des données de sol, par exemple dans sa région, il galère. Soit il a un super conseiller à la chambre d'agriculture qui lui dit « Attends, je vais te trouver ça, etc. etc. » Et le gars, il va y passer quelques heures.
soit ils ne trouvent pas. Donc ça, c'est une situation qui est plus possible. On ne peut pas faire France Nation Verte si on ne peut pas accéder à des données de qualité de sol de n'importe où en France. C'est la situation A. Alors maintenant, pour passer à B, c'est-à-dire la vision à moyen terme, l'idée est déjà de rendre un certain nombre des bases de données qui contiennent ces données sol. Il y en a globalement plutôt aux alentours de 4, en fait, pilotées par le GIS sol. C'est déjà de s'assurer qu'elles soient interopérables et puis de commencer à croiser ces données et à sortir des cas d'usage par territoire, par exemple. Mais après, on peut en décliner beaucoup d'autres par type de culture, etc., etc., de façon à rendre accessibles ces cas d'usage et puis l'accès à ces données. Et en phase vision cible, on va dire, l'idée est que non seulement ces données soient accessibles, mais qu'elles soient directement injectables dans les outils d'aide à la décision qu'utilisent les agriculteurs au quotidien dans les champs, parce qu'ils en ont besoin pour de plus en plus calibrer et paramétrer leurs machines qui acceptent de plus en plus de données qui permettent ensuite, pour les plus perfectionnés, de doser par exemple les traitements en fonction de la qualité du sol. Et la qualité du sol, comme je le disais tout à l'heure, c'est de l'eau, c'est de la biodiversité, c'est les reliquats azotés. Et c'est pas un hasard si dans le plan d'action se nourrir, on a une action qui s'appelle Observatoire des reliquats azotés. C'est que on connaît la sensibilité du sujet des produits phytosanitaires. C'est pas le débat actuel sur le glyphosate au niveau européen qui va le démentir. Et donc là aussi, il faut outiller avec un observatoire comme on en a un sur la haie. Les exploitants et l'ensemble de la chaîne pour pouvoir qualifier davantage la qualité des sols. Et ça, c'est une des déclinaisons possibles de ce cas d'usage. Il y a un autre exemple sur ce sujet tout aussi sensible des phytosanitaires, c'est que le plan d'action va comporter une expérimentation qui commence là dès cette année, qui s'appelle Profil et qui consiste sous le pilotage du service de la statistique du ministère de l'Agriculture. Donc c'est pas un hasard parce que ça veut dire que c'est couvert à ce stade par le secret statistique, et vous allez voir pourquoi, à permettre des remontées directes depuis ce qu'on appelle les carnets de plaine, c'est-à-dire avant c'était un carnet à la main où l'exploitant mettait sur ses parcelles à la main les traitements qu'il faisait, pour pouvoir se souvenir de ce qu'il a fait et où et quand. De plus en plus, ces carnets de plaine sont numérisés. Il va d'ailleurs devenir obligatoire par le règlement statistique européen d'en tenir un registre électronique. Et donc à partir du moment où on a un registre électronique des traitements phytosanitaires, on peut évidemment, puisque l'agriculteur les déclare, on peut lui permettre aussi de les historier et de pouvoir les réinjecter quand il en a besoin dans ses outils d'aide à la décision pour adapter ces traitements et surtout en faire les bilans. Parce que le plan Ecofito, dont tout le monde entend parler et tout le monde se demande à quoi il sert, vu qu'on ne constate pas de progrès net, à part la baisse des ventes de produits phytosanitaires, mais les usages continuent à être globalement stables. Donc ça lui permettra aussi de la redevabilité quand il va lui être demandé de démontrer qu'il a réduit ses traitements sur ses parcelles. Donc on le voit, on a une logique de mise en commun de plus en plus approfondie des données sur les sols, et en termes de passage à l'échelle et de massification, on cherche aussi à passer vraiment à l'échelle nationale sur l'analyse de sol, parce qu'aujourd'hui on n'a pas assez de données. Il faut vraiment une acquisition massive de données de sol, donc il faut plus d'analyses, et pour ça il faudra de près ou de loin un programme public de soutien et d'incitation aux exploitants pour faire beaucoup plus d'analyses de sol qui soient financées par le national et ou par l'européen. Merci. On va passer à la dernière partie de cette masterclass avant d'avoir un temps de questions-réponses qu'on espère garder du temps pour ça. Donc Laura Letourneau, elle a dit que le 95% du travail c'était le comment. Donc moi j'aimerais avoir votre avis sur l'organisation et la gouvernance qu'il faut mettre en place pour justement que ces plans d'action thématiques qui sont très riches et qui vont être publiés dans la feuille de route soient déployés. Quelles sont les méthodes de travail que vous pensez qu'il faut utiliser et quelles sont les conditions de réussite? On peut commencer par toi, Mélanie. Merci. Vaste question. Alors, c'est vrai qu'on a identifié un certain nombre de chantiers ambitieux et effectivement, il faut être conscient des conditions de réussite à réunir pour pouvoir effectivement les mettre en œuvre. Bon, clairement, il y a, je pense, le dialogue qui est premier entre les différents interlocuteurs qui est désormais en place. Il faut continuer à l'approfondir et à l'entretenir dans la durée. Il y a dans le comment des éléments techniques, hein, par exemple avec des API
à mettre en place, lever des verrous parfois juridiques, techniques pour accéder à certaines données. Je pense notamment aux travaux que l'on mène avec la DGFiP, qui a maintenant bien nos différents cas d'usage en tête, et on espère avoir des réponses sur les calendriers pour accéder petit à petit à des données qui nous permettraient d'aller plus loin dans la réponse que l'on peut apporter à nos cas d'usage. Et on croit surtout, en termes de méthode, à des processus itératifs pour tester à petite échelle, expérimenter des jeux de données pour voir, voilà, à l'échelle d'un territoire ou d'un micro cas d'usage, quelle valeur cela peut apporter. Ces processus itératifs sont vraiment utiles parce que c'est là qu'on fait germer des idées nouvelles. On a la chance, en plus, à la DGLN d'avoir un portefeuille assez large de start-up d'État, des produits numériques innovants qui justement sont créés sur vraiment des cas d'usage très centrés usagers, avec des cycles d'apprentissage très, très courts et accélérés. On essaie vraiment de tester plein de petites choses pour voir si ça peut changer la donne. Donc on a vraiment cet écosystème qui est mobilisé et est prêt à travailler sur tous les nouveaux jeux de données qui pourraient être accessibles pour résoudre voilà, des problèmes aussi variés que la lutte contre la vacance des logements, simplifier davantage le parcours usager pour la rénovation énergétique et bien d'autres cas d'usage encore. Donc on pense vraiment à la mobilisation de l'ensemble de ces acteurs unis dans cet objectif. Mais c'est vrai que dans les conditions de réussite, il faut aussi les moyens associés. Donc il y a certaines choses qui devraient se mettre en place par la suite, mais la disponibilité des moyens ou humains est bien souvent malheureusement le facteur un petit peu limitant pour aller aussi vite qu'on le souhaiterait sur ces projets-là. Étienne, comment est-ce qu'on peut basculer dans le faire? C'était un peu, en préparant, on en avait parlé, mais quel est ton point de vue? Alors le mien, pas très intéressant, mais en revanche, celui du ministère, il est de se dire, là maintenant, d'une certaine manière, on est au pied du mur. C'est-à-dire, on a des objectifs nationaux, rappelés par le PR et la PM récemment. Il faut les décliner. On a maintenant un plan d'action à travers France Nation Verte. On va avoir, dès que la feuille de route va être publiée et mise en concertation. Et justement, une fois qu'elle va être publiée et mise en concertation, ça a été annoncé récemment également, il va y avoir ce qu'on appelle des COP régionales. C'est-à-dire que, en fait, le Tour de France, de France Nation Verte va commencer de façon à embarquer les territoires et écouter ce que les territoires ont à dire par rapport à l'ensemble du travail qui a été fait dans le chantier numérique et données de France Nation Verte, qui, si je ne me trompe, comporte à peu près 400 actions sur les 6 thématiques de France Nation Verte. Donc, il va de soi qu'à un moment, il y aura une priorisation, etc. Et l'un des critères de priorisation, ça va être les besoins des territoires. Et c'est ça que les COP régionales vont aller recueillir, à savoir comment on embarque les territoires, sur quelles actions, avec quel degré de priorité, de façon, là aussi, à pouvoir en décliner les moyens budgétaires et humains. Alors, sur ce dernier point des moyens budgétaires et humains, je suppose que si Laura était là, elle vous dirait qu'évidemment, il faut des moyens financiers pour mettre en œuvre le plan d'action France Nation Verte Numérique et Données, parce que, comme tu le rappelais, les infras, il en faut et ça coûte. Et puis, il faut des compétences. Et si vous avez eu des insomnies au mois de janvier, vous avez dû lire évidemment le rapport de l'Inspection générale des finances qui analyse les compétences numériques de l'État et qui trace une trajectoire qui est quand même pas tout à fait enfin qui nous a beaucoup étonnés, nous, de la part de l'Inspection générale des finances, c'est qu'il faut 3500 postes par an supplémentaires pendant les 5 ans qui viennent pour mettre l'État, c'est-à-dire les administrations centrales et les services déconcentrés, à niveau en matière numérique. Alors, ce n'est pas parce que je ne dormais pas que je l'ai lu, c'est quand je l'ai lu que je n'ai pas dormi, parce que dans les indicateurs de maturité que l'IGF, avec le CGE, a identifié, il y a donc les compétences numériques, il y a la gouvernance numérique, et puis il y a le niveau des systèmes d'information. Et ils ont classé les ministères par type de maturité, donc il y a une maturité basique, il y a une maturité substantielle, une maturité avancée. Comme par hasard, dans les avancées, on trouve les gros ministères régaliens qui, eux, n'ont pas le choix. Hein. L'armée, l'intérieur, etc., ils n'ont pas le choix pour des raisons qu'on comprend tous bien. Il faut qu'ils soient très, très, très avancés au plan numérique. Et quand je vous dirais que le ministère de la Justice et le ministère de l'Agriculture sont parmi les ministères les moins matures,
on a évidemment un challenge non négligeable pour pouvoir faire. Et donc, c'est bien ce qu'on dit, c'est déployer. Donc, pour ce faire, le ministère s'est battu dans la procédure budgétaire 2024 et il a obtenu plusieurs dizaines de créations d'ETP numériques dédiées pour se mettre à niveau avec en partie résorption d'une dette technique, mettre des moyens aussi sur la cybersécurité parce que c'est dans les fondations de la maison, hein, vous avez vu, éthique, interopérabilité, sécurité, et surtout être capable d'accompagner les acteurs avec des compétences qui sont adaptées. Et les acteurs, qui sont-ils? Nous, on a travaillé avec eux tout le long des groupes de travail France Nation Verte, puisque dès le départ, on a beaucoup travaillé d'assez près avec la ferme digitale, donc l'écosystème de l'innovation de l'agriculture et de l'agtech. Et on a eu des échanges plus approfondis avec un certain nombre d'acteurs de la ferme digitale. Je pense notamment à la start-up FarmLeap, avec qui on a beaucoup réfléchi sur la notion d'identifiant parcellaire dès le départ pour tester avec eux la pertinence d'en faire émerger un et quel identifiant parcellaire configurer comment de façon à ce qu'il soit directement utilisable dans les outils de la décision des agriculteurs et dans les solutions que proposent un certain nombre de start-up. Donc on le voit, le déploiement il va se faire à la fois en allant demander au territoire par quoi ils veulent commencer en clair sur la base du menu que le SGPE aura défini. Et derrière, une fois qu'on a ce classement, en quelque sorte, cette sélection, on a les moyens derrière. Et je suppose qu'un jour, le SGPE annoncera les moyens budgétaires qui lui ont été alloués pour faire la planification écologique numérique et donnée, parce qu'il y a une enveloppe spécifique et qu'à un moment, on le sait très bien, il va falloir aller puiser dedans dans la sélection des actions qui auront été choisies par les territoires. Merci. Guillaume, est-ce que tu peux nous présenter des initiatives déployées par l'IGN qui pourraient justement contribuer à la mise en commun? Alors, sur cette question du comment, je pense qu'effectivement, c'est une question clé. Hein, et tu disais, Laura disait, c'est 90% du sujet. Alors, on va essayer de ne pas y passer 90% du temps, même si ça pourrait le mériter. Et je rejoins tout ce qui a été dit avant. Deux blocs dans mon propos. Le premier, c'est... Du coup, pour avancer, je pense que le travail qui a été fait de, quelque part, se fixer des objectifs communs et des objets communs, il est essentiel. Moi, j'espère qu'il va être confirmé, justement, dans la feuille de route, hein, dont tu disais qu'elle reste à acter. Il y a un travail préparatoire qui a été fait. Mais ce premier bloc, c'est avoir des objectifs communs. Ensuite, sur ces objectifs communs, je pense qu'il faut continuer le travail collectif. C'est essentiel, en groupe. Par contre, ça va nécessiter, je pense que c'est un enjeu de la feuille de route, qu'il y ait des chef de file qui soit désigné par objet. Voilà, il faut à la fois travailler ensemble et en même temps, il faut qu'il y ait quelqu'un qui organise et qui tire. Et je pense que voilà, c'est un point important. Ça relève plutôt, on a deux administrations centrales représentées à la table ronde, ça relève plutôt de ce niveau-là. Mais je pense que c'est une étape à ne pas négliger parce qu'elle va structurer la suite. Ensuite, deuxième bloc, à l'IGN, on est un opérateur de l'État. Et donc, dans ce travail, nous, on est un acteur volontaire pour contribuer à ces travaux. On s'attache aussi à proposer, je dirais, des solutions. Et donc, je vais en exposer rapidement quatre, et du coup, je serai rapide parce qu'il y en a quatre, c'est beaucoup. Deux outils et deux démarches. Le premier, la géoplateforme. Je parlais d'infrastructures mutualisées. L'IGN est donc en train de déployer un projet de géoplateforme. L'enjeu, c'est d'apporter des briques, des solutions mutualisées pour l'hébergement, la diffusion de l'information géographique, voilà. Avec un volet qui s'adresse aux producteurs de données, pouvoir facilement poser des données, les diffuser pour des jeux de données France entière, volumineux, les rendre accessibles à tous, je dirais dans les derniers standards de technologies modernes et de capacités d'interaction sous forme d'API, etc., standard OGC. Offrir des capacités de collaboration sur ces données. On voit que sur tout un tas de sujets, l'enjeu c'est d'alimenter, de mettre à jour des jeux de données à plusieurs, donc de manière native permettre à plusieurs acteurs de collaborer sur des jeux de données et de les diffuser, donc un volet côté producteur de données, et dans le même temps offrir la capacité à des fournisseurs de services de construire sur ces éléments. Je le citais par exemple sur le géoportail de l'environnement. L'enjeu c'est pas juste d'avoir un endroit les données, c'est
c'est que par-dessus, des services puissent venir piocher dedans, les interroger pour offrir des services enrichis. Donc ce programme, projet Géoplateforme, qui est du concret, les premières briques vont ouvrir dans les prochains jours. Les fonctions socles, l'ouverture va s'étaler jusqu'au premier trimestre. Donc la Géoplateforme, deuxième outil, où là on est plus en phase amont, le jumeau numérique du territoire. En partenariat avec le CEREMA et l'INRIA, on propose de mettre en place un jumeau numérique du territoire. C'est quelque part l'étape d'après de la Géoplateforme. Une fois qu'on a consolidé toutes ces données, c'est notamment fortement développé la capacité à les croiser. L'enjeu, c'est la simulation, d'être capable, avec les multiples transitions auxquelles on fait face, de développer notre capacité à simuler sur du multithématique et regarder les impacts d'une thématique sur l'autre. Mélanie parlait de l'occupation des sols pour le zéro artificialisation nette, dont vous avez une illustration sur la couverture de l'atlas de l'Anthropocène que vous aviez sur les chaises. Un exemple de sujet, c'est si je viens densifier de l'urbanisation dans du tissu de lotissement, quel impact sur la biodiversité, quel impact sur la pénétration de l'eau dans les sols, quel impact sur les enjeux d'inondation, et donc beaucoup plus là où aujourd'hui, quelque part, on développe un peu des outils à chaque fois qu'on veut traiter un sujet thématique, avoir beaucoup plus de capacité de simulation dans des logiques de magasins d'applications, quelque part avoir un socle de simulation et de devenir capable de brancher des moteurs dessus. Voilà, deux exemples d'outils, Géoplateforme et Jumeaux, deux exemples de démarches, la fabrique des géos communs, voilà, mise en place 18 mois à l'IGEN, dans une logique d'accompagnement, de travail collectif sur des problématiques, des données, qui est une capacité un peu générique qu'on met à disposition d'acteurs. Le dernier appel à intrapreneurs, d'ailleurs, de la fabrique a rassemblé un intrapreneur du CEREMA, un intrapreneur de direction départementale des territoires, un acteur d'une plateforme géographique régionale. Donc la fabrique de géocommun et Data Alliance. Data Alliance, initiative qu'on a mis en place ces derniers mois. L'idée, c'est que, de plus en plus, notamment si vous êtes un acteur public, État ou collectivité, vous avez des startups qui peuvent venir vous voir en vous proposant des traitements, etc. Avec ce qui peut soulever derrière deux interrogations. La première, est-ce que c'est solide ? La méthodologie, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pertinente, est-ce qu'elle est robuste. Et la deuxième, c'est au-delà de faire un POC, est-ce qu'on est capable de passer à l'échelle, de faire ça sur des départements entiers, sur du France entière, tous les ans, et dans la durée. Et donc la logique de Data Alliance, c'est de faire des partenariats IGN start-up, dans lesquels les start-up vous amènent cette partie plus innovante, et l'IGN joue un rôle de garant sur la méthodologie, sur la capacité derrière à industrialiser, qui est un des cœurs de métier, et sur la capacité à maîtriser aussi la technologie dans la durée, être capable d'assurer que ça dure et qu'on puisse prendre le relais, basculer sur d'autres acteurs s'il y a besoin. Voilà, donc Géoplateforme, Jumeaux, Fabrique, des Géos communs, Data Alliance. Merci. Maximilien, pour conclure peut-être cette masterclass, est-ce que tu peux nous faire part de peut-être de ton retour d'expérience que tu as eu à travers l'Observatoire national des bâtiments et sur les conditions de réussite? Oui. Très bien. Alors, sur la méthode, effectivement, il y a des premiers éléments qui peuvent peut-être paraître évident, mais il faut quand même les mettre en place. J'ai parlé de pérennité des outils, de sobriété numérique, de comment on ressource également ces dispositifs. Un point important, on a parlé des données. Quand on parle des outils, c'est aussi, nous, ça a été l'approche chez URBS, hein, c'est de ne pas être dépendant aussi d'éditeurs logiciels, vraiment de prendre le temps de travailler des outils qui sauront faire le passage à l'échelle, bien sûr, qui sont capables d'évolution rapide, parce qu'on est sur un sujet complexe, il y a beaucoup de mouvements dans la donnée, il faut s'adapter aux complexités des territoires, donc il faut avoir des outils, on est vraiment sur des plateformes qui doivent être très robustes pour ça. Je pense que les géoplateformes, les GN s'inscrivent dans cette voie, mais il faut voir qu'il y a souvent beaucoup de prototypes issus d'expérimentation qui sont des simples web services carto, et souvent on a mis beaucoup d'argent sur un projet, et c'est pas maintenu parce que ce n'est pas maintenable, tout simplement. Ça peut être de beaux démonstrateurs, mais il faut vraiment penser après. Et quand on parle de l'après, on parle aussi forcément du financement.
Donc nous, ça a été l'approche. On est issu d'un centre de recherche public. On sait très bien comment ça marche quand on est dépendant d'une subvention ou d'un seul canal de subvention, que ce soit d'un acteur de l'État ou d'un acteur territorial. Donc nous, il y avait vraiment une approche aussi de, au-delà de financement potentiellement, on travaille avec le CEREMA, on travaille avec des acteurs à l'échelle nationale, donc on peut avoir des financements nationaux, mais l'objectif c'était plutôt de travailler là aussi avec une communauté. La communauté des acteurs des territoires sont contributeurs à travers les méthodes, mais peuvent être aussi financeurs quand on, quand on travaille sur une étude en contexte opérationnel, ce qui fait qu'on n'est pas dépendant de cette problématique-là. Si demain, une métropole avec qui on travaille se retire, on travaille aujourd'hui avec 700 territoires, soit à des échelles nationales, comme je disais avec le CEREMA, soit avec une pluralité d'intercommunalités, de départements, d'agences d'urbanisme, etc. Donc, on a moins de mal, on subit moins, en fait, ces stop and go de ressourcement. Et ça, je pense que c'est quelque chose à penser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de commun. Alors, l'État met le paquet actuellement sur ces sujets, mais il faut l'anticiper, parce que les territoires nous disent ça depuis des décennies, il y a de superbes initiatives et souvent ces initiatives s'arrêtent parce que parfois il y a un tournant politique, parfois il n'y a plus d'argent, parfois il n'y a plus de budget, parfois il y a des choix qui évoluent, et de se dire comment on pérennise en termes de ressources le dispositif, parce que derrière les acteurs se sont connectés à ce dispositif. Donc ça, c'est vraiment le vrai sujet. Après, un retour d'expérience, et France Nation Verte est sans doute bienvenue dans ce cas de figure, sur la diffusion. Aujourd'hui, l'une des finalités, nous, l'Observatoire national des bâtiments, si on l'a mis à disposition de tous, on s'est engagé en tant que structure de la société civile, c'est parce qu'on voyait que ça n'avançait pas trop sur ce sujet-là, il y avait un réel manque, et que pendant 5-6 ans, en tant que centre de recherche publique, avec pour autant une PI et un brevet déposé sous tutelle du ministère du numérique, on a pris notre bâton, on a frappé à la porte de certains ministères, de la Banque des Territoires, du CSTB, de l'ADEME, de tout un tas d'acteurs, et chacun finalement est plutôt allé chercher sa subvention pour faire des choses de leur côté sans forcément de grosses réelle valeur ajoutée. Il n'y a pas que dans cet écosystème que ça fonctionne comme ça, il y a un tas d'autres thématiques où on retrouve cette problématique, et c'est hyper important justement aujourd'hui d'encadrer ça, parce que alors des fois les acteurs ne sont pas au courant, hein, donc il y a quand même aussi parfois, il ne faut pas leur vouloir, parfois il y a aussi un petit peu chacun qui veut faire de son côté, ça c'est une réalité, donc de mettre en commun, en tout cas sur le socle, c'est essentiel de le faire maintenant pour bien orienter cet argent public, pour être plus efficient aussi. Alors je sais que le terme efficience parfois avec l'administration ou les institutions, c'est pas toujours évident, mais je pense qu'avec ce type de plan, on peut y arriver justement, parce que cette mise en commun permettra ça, permettra de le dernier point sur le modèle économique dont je parle, c'est aussi d'avoir et de montrer au territoire, plutôt que de dire c'est un outil gratuit, non, il y a des subventions derrière, de dire voilà combien ça coûte, voilà si vous voulez maintenir le dispositif, combien d'hommes jours, de forfaits jours, l'ingénierie, voilà combien elle coûte à maintenir. Et ce qui est important aussi en disant ça, c'est qu'on a une approche de mutualisation, c'est-à-dire que dès lors qu'on fait quelque chose avec un territoire, on met à disposition des autres territoires à coût constant, des fonctionnalités, des nouvelles méthodes. Donc il y a aussi une approche de si une collectivité a un budget et qu'un voisin ne l'a pas, on peut aussi tirer vers l'avant, parce qu'on sait que les calendriers, les politiques locales, parfois il y a aussi un décalage sur les temporalités de choix, de décision. Donc ça permet aussi de mutualiser au service de l'ensemble des territoires, de la petite commune à la grande métropole et des acteurs qui travaillent pour ces territoires. Et ça m'amène à un des éléments finaux. Tout à l'heure, je disais qu'on, nous, on est à la fois des experts de la donnée géographique et des outils numériques, mais pas que. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout ça en place, que se passe-t-il ? Il faut aussi accompagner au changement les territoires. Il y a un réel accompagnement au changement en utilisant ces outils. Alors, c'est très bien dit, hein, il faut avoir des outils qui permettent aussi à l'ensemble de la communauté de sans dégrader la qualité, de vulgariser certaines choses, de faciliter la mise à disposition. Mais à un moment donné, il faut aussi accompagner au changement, au processus organisationnel. Je prends un exemple très simple. Hein. Nous, dans le cadre de la massification de la rénovation énergétique, mais ça marche pour la précarité, ça marche pour l'ensemble des sujets de la politique de l'habitat. Notre outil, en 30 secondes, on identifie ce qu'il y a à faire. Et après ? Après, il faut arriver à faire passer ce message de dire aux décideurs, organisez-vous, et les outils permettent ça, avec vos différents acteurs métiers ou prestataires, les experts qui accompagnent les publics en précarité, les acteurs sociaux de l'économie sociale et solidaire, votre agence locale d'énergie du climat, etc., etc., mais aussi les acteurs privés, parce que l'acteur public ne pourra pas tout faire. Donc on a des actions groupement, on identifie des poches homogènes, peut-être qu'il faut, c'est des travaux qu'on fait aussi avec certains parlementaires, comment on repense les marchés publics, l'acteur public reste encore
coordination, mais il faut à un moment donné identifier des paniers, toujours dans le cadre des marchés, pour ensuite faire peut-être un appel à concurrence, mais dire voilà, on va pouvoir baisser les coûts et optimiser parce qu'on a identifié un panier homogène d'accompagnement et de rénovation. Mais c'est en tout cas de mieux organiser la chaîne d'acteurs. Et donc ça, pour ça, il y a un réel accompagnement en changement à faire. Et donc de la pédagogie à travers les outils et de l'accompagnement humain. On parlait de technosolutionnisme en amont, en introduction. Oui, on n'est pas sur ce sujet-là. On reste sur des outils qui vont faciliter les métiers de chacun. Ben merci beaucoup. Plein de pistes pour la suite, en attendant que la feuille de route soit publiée. Merci aux intervenants. Je sais qu'on doit libérer la salle, mais bon, ils ne sont pas encore là. On va prendre quelques questions, si vous... Merci. Donc je voudrais rebondir par rapport à ce qui a été dit dernièrement. Pour les autres interlocuteurs, c'est effectivement ces conditions de ressources, peut-être à plus large échelle. Savoir comment et est-ce que vous prenez en considération ces éléments un petit peu exogènes à vos outils. Et pour ça, je vais donner quelques exemples. C'est les peut-être rapports d'évaluation de politique publique. Plus précisément, c'est par exemple le manque aujourd'hui d'agriculteurs qui va se faire ressentir, les conditions financières qui vont être nécessaires pour pouvoir faire ces rénovation, aussi conditions humaines peut-être, ou ressources humaines pour la rénovation des bâtiments. Donc est-ce que vous prenez en considération, et comment vous prenez en considération ces données qui peuvent être extérieures, qui vont influencer le comment faire ? Peut-être un début de réponse, en tout cas sur nous, notre cœur de métier, hein, c'est que effectivement après toute ressource est bienvenue, hein, c'est pour ça qu'aujourd'hui l'enjeu des référentiels nationaux doit rester un enjeu, mais quelque part on a déjà fait un grand bout du chemin. Et maintenant c'est justement comment on valorise les ressources, les connaissances qui sont chez les acteurs locaux, les acteurs des territoires, les acteurs métiers quels qu'ils soient, comment on valorise ça. Et donc là aussi il faut que les systèmes soient prêts à consommer, à avoir cette contribution. Donc après, en tout cas sur le secteur du bâtiment, c'est ce qu'on fait, hein. Donc soit sur des dispositifs publics, les acteurs locaux, s'ils ont quelque chose à valoriser. Alors il y a tout un enjeu aussi de dire quelle pertinence à faire remonter cette donnée et le pas de temps d'actualisation de la ressource, ça c'est un point important. Et puis après, à travers les communs, on a du coup aussi un panel bien plus important. Je ne sais pas si ça répond à la question sur la partie ressources, parce que le terme ressources veut dire aussi beaucoup de choses, mais en tout cas sur la partie bâtiment, c'est quelque chose qu'on... Bâtiment, habitat, urbanisme, foncier, c'est quelque chose qu'on prend en compte, qui n'est pas si évident, surtout si on veut derrière faire remonter ça dans des communs et standardiser ça à l'échelle nationale, mais en tout cas on y travaille beaucoup, oui. Sur les agriculteurs, effectivement, le départ massif de 100 000 agriculteurs dans la décennie qui vient, justement, synchrone de l'exercice sur lequel on est en ce moment. Il y a un projet de loi d'orientation agricole qui est en cours de préparation au ministère et qui sera présenté avant la fin de l'année par le ministre, qui vise précisément à mettre sur la table tout un package de mesures pour répondre à ce défi qui est considérable, hein, puisque c'est quand même un quart de la population active agricole qui va partir, à un moment où on parle de souveraineté. Donc voilà, il va falloir que les conditions d'installation soient très attractives, qu'on puisse aussi donner des perspectives à une génération d'agriculteurs qui n'est plus tout à fait la même que celle qui part. Et je pense que ce qu'on fait là, c'est une façon aussi de dire à un nouveau public, potentiellement agriculteur, voilà comment on va travailler maintenant, comment vous allez travailler. On va vous accompagner, il va y avoir un saut qualitatif considérable fait sur l'outillage de ces nouveaux métiers. Voilà. Après, il faut que ça soit voté, 49-3 ou pas, etc. Enfin, voilà. Je peux peut-être compléter aussi sur la partie rénovation du logement. Effectivement, il y a des enjeux qui sont très forts. Derrière, il y a pas mal d'argent qui est investi aussi, hein, sous forme d'aide. Il y a encore eu des augmentations là en PLF 2024 pour le dispositif MaPrimeRénov', notamment. Il y a effectivement des questions parfois de difficultés à accéder à des professionnels qualifiés qui soient disponibles, sont parfois submergés de demandes. Donc, on n'ignore pas le problème. Il y a pas mal de dialogues effectivement avec les gens de la profession. L'ANA essaye de s'organiser au mieux pour avoir des informations claires sur le parcours et puis sur le service de l'accompagnement, hein, avec le service Mon Accompagnateur Rénov' qui est là pour aiguiller les particuliers. Et puis voilà, des dispositifs de labellisation RGE, les professionnels reconnus garants de l'environnement pour avoir faire appel à des personnels qui permettent ensuite d'obtenir des aides financières. Mais
mais effectivement, vous avez pointé du doigt voilà, la difficulté aussi d'accompagner ce changement avec une mobilisation de l'ensemble de l'écosystème. On a besoin de compétences, de personnes qui sachent faire et qui soient disponibles pour accompagner ces grandes mutations. Mais vu l'urgence, effectivement, de répondre à ces enjeux de transition écologique, on a besoin de la mobilisation de tous, en effet. Guillaume, vas-y, pour conclure. Un petit mot sur cette question d'articulation et de ressources. Alors, à l'IGN, on intervient dans la partie amont, c'est-à-dire on contribue à la connaissance actuelle et éventuellement prospective. Par contre, on n'est pas dans l'intervention sur les sujets en aval. Par contre, sur cette partie connaissance, une illustration avec, par exemple, l'occupation des sols, où justement, quand on fait derrière cette production de données, enfin, l'enjeu c'était d'industrialiser. Hein. Aujourd'hui, vous avez l'IGN faisait de l'occupation du sol un peu produite à la main, on va dire, des collectivités aussi. Côté IGN, on avait fait un tiers de la France en 7-8 ans. Là, l'objectif c'est de faire un tiers de la France tous les ans. Mais quand on fait ça, c'est aussi de s'articuler avec les collectivités qui en font déjà et que ça soit complémentaire. C'est que ce qu'on fait, et on l'a fait de manière à ce que en fait, ça puisse être enrichissable localement, c'est-à-dire que des données puissent être ajoutées, à faire en sorte que ça soit fait sous forme de briques réutilisables, notamment les briques d'intelligence artificielle, elles sont ouvertes, peuvent être réutilisées. On sort des produits intermédiaires, notamment un produit qu'on appelle COSIA, Causalité de couverture des sols calculé par IA, qui permet d'extraire d'autres thématiques. Voilà, celles de l'OCSG, de l'occupation des sols à grande échelle, sont très orientées artificialisation, c'est la commande au départ. Mais du coup, on fait en sorte que ça puisse aussi être fournir des briques, des marchepieds à des acteurs locaux pour aller plus loin, et ce qui contribue à l'économie de ressources. Voilà, on est tous dans des contextes contraints. En faire plus, l'enjeu, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de notre point de vue, c'est de faire en sorte que les forces s'additionnent et du coup, voilà, dans ce qu'on fait, de le faire de manière à ce que ça puisse être utilisable par d'autres pour aller plus loin ou pour se recentrer sur d'autres parties. Ouais, merci. On pourra éventuellement prolonger, mais j'avais une question. Je pense que je suis probablement pas la seule à me la poser. Vous parlez beaucoup d'articulation avec ce qui est fait à l'échelle locale, que ce soit avec les collectivités ou avec des acteurs locaux. On a eu, nous, en Bretagne, puisque je viens de Rennes Métropole, des échanges avec la mission numérique France Nation Verte, qui était quand même un tout petit peu compliqué, puisqu'on venait après toutes les réflexions de l'État. Donc on se réjouit que l'État se coordonne. Néanmoins, vous présentez les choses en disant les briques sont enrichissables. Je trouve intéressant ce terme, puisque en fait, ça suppose que vous arrivez sur une table rase, ce qui n'est pas du tout le cas. Ce qui, nous, au niveau local, nous met dans une difficulté qui est qu'on a nos propres référentiels. Alors, ils ont le défaut d'être locaux pour un certain nombre d'entre eux, pas toujours. On a quand même des directives qui s'imposent aussi à nous. Mais que du coup, on a parfois l'impression que l'État vient imposer des normes ou des cadres auxquels on doit se réadapter, alors qu'on a en local développé des bases de données, des référentiels topographiques, parfois partagés avec les acteurs du territoire, et éventuellement des jumeaux numériques. Et là, badaboum, il faut qu'on refasse tout. Donc c'est vraiment une question sur la contribution, la prise en compte de l'état d'avancement, finalement, des collectivités qui s'est posée dans nos échanges avec la mission de Laura Letourneau. Et je pense qu'il va se reposer sur à peu près tous les outils dont vous avez parlé. Et donc je suis assez intéressée aussi par la démarche que vous avez présentée sur URB, puisqu'il faut épeler, c'est ça? On ne dit pas ours, d'accord? Parce que vous avez l'air de vous appuyer sur des dynamiques locales d'une façon plus intégrative, peut-être, que ce que laissent penser les démarches que vous avez présentées. Mais je ne veux pas polémiquer, alors, c'est juste alors, c'est vraiment un point d'intérêt. Merci. Vous avez tout à fait raison. Et alors, vu l'heure... Je dirais deux choses. La première, c'est l'enrichissable était très lié à l'occupation des sols, où il y a un sujet... législatif, zéro artificialisation nette qui structure beaucoup. Bon, après, il est basé sur des standards du CNIG voilà, qui ont été élaborés de manière, je dirais, collective. Je prendrai sur un autre sujet, typiquement géoplateforme. La démarche géoplateforme, elle a été co-construite avec un certain nombre d'acteurs territoriaux embarqués dès le début. Donc, moi, je vous rejoins totalement sur ce que vous dites. Voilà, j'utilise enrichissable sur un objet précis parce qu'il a son contexte, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Merci beaucoup à tous.